bravo, on était là, on criait. Ouais. Ça c'est, donc ça va, c'est bien passé. Oui, oui, très bien. J'ai fait dire un truc, j'étais sur le podium, toi t'étais là, tranquille, bien, médaille d'or. La partenaire, pas bien du tout. Ah oui, j'ai vu, elle saignait et tout. Franchement, c'est toi qui avais ça. Je sais pas. J'étais pas au courant. Bon alors, ça s'est bien passé quand même. Oui, contente, très bien. Contente. Moi j'avais mal pendant le combat, j'ai mal pour elle. Ah, je te voyais, je pense que c'était pas mon. Mon meilleur combat de la journée, mais. C'était ça, c'était pas ton meilleur combat. Non, parce que les deux autres, j'ai gagné 1-0 et 2-0. Voilà. Ça va? C'est normal qu'on marche? Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Ok. Alors, c'est quoi la suite? La suite, bah, on a les mondes à Paris en 2017, fin août. C'est ça la grande échéance de l'année, mais après, moi, étant donné que je suis junior, j'ai encore ma saison junior à côté et voilà. D'accord, donc, mais junior, t'as vite, on nous a dit que t'as encore junior 2 ans. Oui. J'ai fait qu'une année junior l'année dernière. Mais tu gagnes quand même 12-0 contre les seniors. Bah ouais, du coup. En plus que je montais un. Tu n'as pas de respect. C'est la première année où j'étais en 69. Ouais. Je suis montée de catégorie par rapport à l'année dernière. Et comme j'ai pas fait beaucoup de compétitions seniors, bah j'avais peur en fait. Et au final, bah ça s'est bien passé. Et est-ce que voilà. Est-ce que là t'as battu quelqu'un qui était qualifié pour les jeux en finale, quelqu'un qui était une Israélienne qui était qualifiée pour les jeux en demi-finale. Ouais. Toi, ça te met la pression, tu réfléchis ou juste tu vas, tu combats? Ça met pas du tout la pression parce que ça c'était une compétition de préparation et le fait de savoir que j'ai battu des qualifiés olympiques, bah tant mieux parce que ça prouve que je suis pas très loin du niveau. Oui. Surtout que là bah, pour l'instant je suis devant elle donc. Quelle scène voilà. Et ouais, et je suis franchement super heureuse. Ouais, et là le fait d'être à l'INSEP, ça fait quoi? Ça fait plaisir parce que tous mes amis internes, que ce soit les judokas ou même des boxeurs, tout le monde est venu. En plus il y a ma famille vu que j'habite dans le 91. D'accord. Donc, ouais, c'était bien. Et en plus c'est juste chez moi donc. Ça m'a mis moins de pression, on va dire. Non, mais il y a certains athlètes qui peuvent avoir plus de pression quand ils sont chez eux. Toi, non. Toi, non. T'as pas l'air hyper. T'as l'air quand même pas mal. T'as l'air pas hyper stressé là. En fait, au début, je suis super anxieuse, mais après, dès que je monte sur le tapis, j'oublie tout. Donc, et là, maintenant que c'est terminé, bah, je pouvais que être contente. Hein. Et pourquoi tu dis que c'était pas ton meilleur combat? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que ça soit. Ah, ce qui t'a manqué c'est juste là. Que j'aime bien gagner par supériorité. Et tous les entraîneurs ils m'ont dit que je pouvais gagner 10-0 mais que j'ai un peu trop géré. Après je pense que c'est mieux de gagner 8-0 que de faire une bêtise et je me fais touche et je perds. C'est vrai. J'ai l'impression qu'on pourrait te ramener n'importe où. Teddy Riner, tu le ramènes sur ta vie. La combat, brah 12-0, après voilà, c'est pas mon meilleur combat. Bon, non, on va te laisser aller te changer. On voulait t'éloigner des autres interviews. Ouais. On voulait t'avoir juste pour. Bah, merci. Merci à vous. Bon courage, on viendra te voir au championnat du monde. D'accord, ok. Bonne soirée. Bon combat.